Bonjour à tous. Nous revoilà obligés de communiquer par vidéo. Dès l'annonce du gouvernement mercredi soir, tous les services de la mairie, bien sûr, se sont mis en ordre de bataille pour pouvoir mettre en place ce deuxième confinement. Par rapport au premier, ce qui change vraiment, c'est que tous les services fonctionnels de la mairie restent opérationnels. Et donc, vous pouvez venir à la mairie, vous pouvez aller au CAT. Néanmoins, il vous faudra juste prendre rendez-vous. Les services de l'urbanisme fonctionnent normalement. Les crèches sont ouvertes, les écoles, bien sûr, également. Concernant les personnes les plus fragiles, notre CCAS est en ordre de bataille, là aussi, pour rappeler deux fois par semaine toutes les personnes qui sont référencées, leur demander si elles ont besoin d'aide particulière. Nous avons des bénévoles capables d'être mobilisés. Et puis, je crois qu'il y a déjà une trentaine de personnes qui ont demandé à être de nouveau servies à domicile concernant les repas. Donc là aussi, nous sommes en capacité de le faire. Donc n'hésitez pas, si vous avez un besoin, vous appelez la mairie et on pourra s'occuper de vous faire livrer les repas. Concernant les écoles, nous accueillons les enfants le matin, le midi et l'après-midi sur le temps périscolaire, avec des règles sanitaires qui sont respectées selon le protocole. Nous avons commandé des masques pour tous les enfants. On vous demande simplement le plus possible, pour ceux qui le peuvent, de garder les enfants avec vous sur ces temps-là, parce que nous avons des règles qui sont très contraignantes. C'est vrai qu'on a une priorité pour les parents qui travaillent tous les deux en présentiel. Cette distribution de masques, c'est aussi pour aider les familles. On comprend bien qu'à raison de deux masques par jour, il est difficile pour certaines familles, ça fait un trou budgétaire conséquent. Donc c'était notre façon aussi de vous aider. Concernant nos commerces, nous sommes en ordre de bataille pour les aider autant que nous puissions le faire. Certains ont fermé, mais continuent de faire de la livraison et de la vente à emporter. Surtout, essayez autant que possible de les faire vivre, c'est vraiment important pour eux. Si j'ai vraiment un message, c'est qu'on compte sur vous pour défendre le commerce de proximité. Côté mairie, nous mettons tout en œuvre pour faire un lien vers un site marchand qui permettrait de valoriser leur exercice et de pouvoir échanger plus facilement, de les accompagner également vers le numérique et sur la possibilité de créer un site. Nous mettons en place également un système de livraison dans la semaine ou dans la semaine suivante, qui les aidera à pouvoir apporter à domicile la marchandise. Et puis on espère réellement qu'après toute la mobilisation des élus ces derniers jours, le 12, le gouvernement puisse revoir les règles par rapport à leur ouverture de façon moins restrictive et plus positive qu'aujourd'hui.